That is that last but not least, upon logging into the game, you will instantly receive 12 retraining orders, allowing you to reset perks for free. Oh, Wargaming, that's so, so generous of you. Monetization was never part of those goals. Really? Oh, altruist company, fellas. Stop calling it a choice. Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la mise à jour 1.20.1 dont nous allons parler aujourd'hui, qui porte déjà un nom assez spécial parce que vu tout ce qui compte ajouter, ça aurait été plus logique de l'appeler 1.21. Mais du coup voilà, mise à jour que vous avez forcément entendu parler, enfin dont vous avez forcément entendu parler parce que c'est un source inépuisable de polémiques, ce truc là. On va voir ça plus en détail, hein, je vais vous le dire juste après. Donc pour vous présenter cette mise à jour, je vais passer de temps en temps sur le garage, mais globalement je vais vous montrer directement l'article. Et je vais vous expliquer à ma manière comment s'expliquer, parce que malheureusement Wargaming l'explique d'une façon qui paraît telle. Enfin, on va dire qu'il l'explique d'une façon marketing, donc c'est-à-dire qu'ils vous vendent ça comme quelque chose dont vous avez besoin et dont nous les joueurs avons besoin parce que c'est bien, parce que c'est incroyable, etc. Alors que pas du tout. Donc on va décortiquer tout ça ensemble. Alors. Pour parler dans un premier temps, donc on va lire dans l'ordre de l'article. Donc le premier truc, c'est les événements aléatoires et abris dynamiques, qui pour moi va être, faudra voir en temps réel ce que ça donne, mais c'est potentiellement un des bons points de cette mise à jour, donc faut le souligner quand même. Donc Wargaming a prévu d'ajouter des événements aléatoires qui vont prendre part sur 4 cartes pour l'instant. Donc on a Refuge, Ruinberg, Pokrovka, Himmelsdorf. En gros c'est simple, vous avez un élément, donc ça peut être un train, ça peut être un bombardement, un bateau comme on voit, un avion. Qui en gros vont arriver sur la carte, vont définir une zone rouge où vous devez surtout pas vous trouver dedans, parce que si vous êtes dedans au moment où il arrive, bah en fait vous mourrez. Cette zone rouge va tout simplement modifier la carte, donc ça va détruire des éléments de décor. Par exemple, je sais que sur Refuge, il y a carrément un toit entier qui s'écroule pour bloquer un accès dans le tunnel. Donc ça va vraiment en fait redéfinir le visuel de certains passages de la carte. Sur Inberg par exemple, ça ouvre une sorte de rue en fait, tout simplement. Pour Korovka, ça va enlever quelques buissons, ça va aplanir un peu la colline, ça va mettre du décor. Et Himmelsdorf par exemple, le plus gros parmi les deux, ça va détruire la colline et vous pourrez descendre depuis le haut de la colline vers la rue de la mort. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus que ça sur ces trucs là. Pour moi ça c'est bon, enfin c'est quelque chose qui permet de dynamiser un peu plus le gameplay. Faudra voir en temps réel ce que ça donne. J'ai peur qu'au bout d'un moment ça devienne lassant, mais après ça c'est comme tout. Mais a priori je pense que ça a quand même moyen d'apporter des bonnes choses. Et j'ai hâte de voir ce que ça va rendre dans le jeu. Un autre point du coup lié à ça, ce sont les abris dynamiques. Donc maintenant on pourra déplacer certaines choses. Donc par exemple on peut déplacer des wagons de train, on peut déplacer des blocs de pierre, des containers. Qui en gros résiste, si j'ai bien compris, à 3 tirs, donc c'est-à-dire que vous tirez 3 fois dedans et après il est pété. Mais pendant que le truc est entier et que vous êtes caché derrière, ben vous prenez 0 dégâts. Alors le problème que j'ai un peu avec cette démonstration, évidemment c'est pour montrer un peu comment ça va marcher, mais en fait, pour être franc, je pense que ça va être beaucoup plus situationnel que ça. Tout simplement parce que si vous arrivez comme ça dans une carte ouverte comme refuge, en plein milieu du passage avec un bloc, il suffit juste qu'il y ait 3 ennemis qui placent un tir dans le bloc et c'est bon, il est pété quoi. Donc autrement dit, je pense que ce sera plus utile quand vous serez en 1 contre 1 et ce sera un peu à celui qui arrive à se foutre derrière un décor pour réussir à niquer l'autre. Ça, ce sera pas une... Je pense pas que ça apportera une grosse différence que ça. Ça, c'est à voir hein, en temps réel. Malheureusement, sur le serveur test, comme il y a très peu de joueurs qui jouent, c'est compliqué de faire tous ces tests-là. Mais on verra en temps réel ce que ça va donner. On va directement passer maintenant à la polémique ultime, voilà, donc la refonte des aptitudes et d'équipage. En gros, comme vous le savez, ça fait un moment que Wargaming essaye de nous implémenter son équipage 2.0 à la noix. Donc ça fait depuis fin 2021 qu'ils avaient ouvert le serveur Sandbox et qu'ils nous avaient proposé leur dôme, on va dire, hein, le truc vraiment à ne pas mettre dans le jeu. On a tous râlé, voilà, donc toute la commu a râlé. Ils l'ont pas fait, ils l'ont reporté, ils ont dit on va aller travailler ça. Donc visiblement pour le coup ils nous avaient écouté à ce moment-là. Ils sont revenus une deuxième fois avec, c'est pas passé à nouveau. Et il y avait des aberrations mais qui étaient stupides. Hein. Et on se dit mais comment les mecs
comment les mecs peuvent passer 2 ans pour nous sortir un truc aussi torché, quoi. Et là, on arrive à la dernière itération, qui est moins grotesque que les 2 autres, faut le dire, mais qui reste quand même, qui ne va pas tout simplement, pour plusieurs points. Alors, il y a des améliorations qui vont être plutôt sympathiques. Donc, par exemple, dans le nouveau système, les aptitudes seront disponibles dès le début à 100%, donc c'est-à-dire que l'effet commencera à être observé à 0%. Enfin, plus vous augmentez, plus il sera observable, et il n'y aura pas besoin d'arriver à 100% de la compétence pour ressentir son effet. Donc ça, c'est un bon point. À l'exception de Frère d'Armes, voilà, comme il précise, Frère d'Armes qui reste quand même une compétence à maîtriser sur tous les membres d'équipage à 100% pour que ça marche. Donc autant dire que c'est la première compétence à mettre, en fait, hein, maintenant, parce que les autres auront un effet juste après. Donc voilà, là-dessus, donc il y a ça. Ensuite, il y a l'intuition qui est enlevée qui maintenant ne sera plus que... Enfin, qu'on devra monter sur un seul chargeur, tout simplement. Alors qu'avant, il fallait la monter sur les 2 chargeurs, ce qui était un peu chiant. Bah là, on est obligé, enfin, on doit que la mettre sur un seul chargeur, et c'est plutôt, enfin, c'est un peu plus logique, on va dire. Donc voilà pour les points globalement bons. Et pour tout le reste, eh ben, c'est de la merde. Voilà, faut le dire. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors Wargaming a décidé donc de diviser les compétences en 2 parties. Donc il y a les aptitudes de groupe. Donc ça change pas. C'est-à-dire qu'en gros, vous devrez toujours monter frères d'armes, dissimulation et réparation sur vos 3 membres d'équipage. Il y a un truc qui change, c'est que la lutte contre les incendies a été déplacée pour être seulement disponible sur l'opérateur radio. Ce qui fait que vous devrez la monter sur l'opérateur radio pour l'avoir, mais les autres, ça ne bouge pas. Et maintenant, par contre, vous allez vous retrouver avec 6 compétences par membre d'équipage. Ce qui fait, si vous calculez bien, du coup, un total de 9 compétences par membre. Ce qui fait beaucoup. Mais d'un autre côté, je sais que ça reste quand même faisable. Il y a très peu d'équipages qui ont 9 compétences, mais ça reste, on peut encore les monter. Et comme il y a certaines compétences qui seront beaucoup moins utiles, tout simplement, bah, potentiellement, on pourra se satisfaire de 7 compétences sur chaque membre d'équipage pour avoir déjà un équipage très fort. Ce qui fait que c'est déjà un point qui bah, va rendre encore plus fort les chars qui sont déjà comme s'ils n'étaient pas déjà assez forts. Et en fait, tout ça cumulé avec les équipements violets, les rations, comment on appelle ça, les directives, etc. Ça fait que vous et maintenant aussi les améliorations de terrain depuis l'année dernière, ça fait que tout ça cumulé, en fait, vous allez vous retrouver avec des chars qui n'auront littéralement plus de points faibles parce que leurs points faibles seront tellement compensés par les compétences et par les équipements. Qu'au final, à part si vous avez un char qui de base est extrêmement mauvais partout, les chars qui, on va dire, ont. Bah, par exemple, si je prends un char lourd qui a en général comme point faible la précision, bah, avec des compétences comme ça, vous pourrez facilement les combler. Donc, je ne vais pas lire en détail les compétences, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a qui sont débilement fortes et que ça va encore accélérer la méta. Il y a une compétence en particulier avec laquelle j'ai vraiment du mal, c'est. Celle qui diminue le RNG, tout simplement, parce que ça veut dire qu'en fait, ben, vous avez, enfin, je dis avec une, mais en fait, il y en a plein, hein, mais ça veut dire qu'avec cette compétence qui diminue le RNG, je sais plus sur quel membre d'équipage aller, ben, vous prenez directement l'avantage sur votre ennemi s'il lui l'a pas. Et en fait, c'est le problème que j'ai, c'est que c'est le cas avec beaucoup de compétences. Si je mets par exemple ces 2 compétences-là, combat rapproché accélère la vitesse de rechargement de 2,5% quand vous êtes à courte distance. Donc, c'est-à-dire que si vous vous battez contre un mec qui l'a pas et qu'il a le même char, ben, c'est vous qui gagnez. Sauf si vous n'arrivez pas à pénétrer vos tirs, mais ça c'est autre chose. Pareil, si vous mettez le dégâts minimum augmenté, bah, c'est pareil, hein, c'est extrêmement fort. Et il y a plein de compétences comme ça en fait qui ont été rajoutées, qui vont être vraiment très puissantes. Et ils ont aussi augmenté d'anciennes compétences qui vont contribuer justement à diminuer les points faibles des chars. Et personnellement, je commence à en avoir. Vraiment marre, parce que voilà, on sait que maintenant les chars n'ont plus de weak spot, donc il n'y a même plus besoin de viser à certains endroits. En fait, vous chargez directement la gold, vous tirez, ça rentre. Ils sont, enfin, il y a vraiment une perte de skill en fait sur ce jeu, qui est depuis des années, hein, qui est entamé depuis des années. En fait, cette mise à jour est dans la continuité de ce qui se disait avant, mais on a vraiment une perte du skill individuel qui est compensée par toutes ces espèces de gadgets. En fait, maintenant, on s'en fout d'avoir du skill, ce qui compte, c'est juste d'avoir du temps de jeu ou alors de passer à la caisse. Et d'ailleurs, je dis passer à la caisse parce que Wargaming, évidemment, fait cette mise à jour en proposant des choses, comme on verra après, qui sont
quand même assez pay to win. Donc voilà là-dessus, sachant qu'au début, ils nous proposaient d'avoir seulement 12 ordres de réentraînement pour réinitialiser nos membres d'équipage. Donc vous imaginez, si je vais, hop, si je vais sur mon compte à moi, j'ai 222 chars. 222 chars, si je fais fois juste 2 par exemple, ça fait 400 membres d'équipage à réentraîner, vous voyez. 400 membres d'équipage quand vous avez 12 livres, c'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Donc Wargaming, qui, avec les coups de gueule de tous les autres, contributeurs, est revenu en arrière sur sa décision et on aura un mois, je crois, après la sortie de la mise à jour pour réentraîner gratuitement nos équipages. Donc vraiment, si vous pouvez vous connecter sur le jeu sans forcément attribuer les compétences, mais au moins réinitialiser vos membres d'équipage, essayez de le faire, parce que sinon, bah, après, dès que ce sera fini, il faudra directement payer en gold. Et en gold, je crois que c'est 200 en gold par membre. Donc ça risque de vous coûter assez cher. Donc vraiment, dès que la mise à jour sort, il faut que vous alliez absolument dans vos garages et que vous réinitialisez tous les membres d'équipage sans forcément remettre les compétences directement, mais au moins les réinitialiser pour que quand vous reviendrez, vous ayez plus qu'à les remettre. Voilà là-dessus. Autre point que je trouve du coup extrêmement handicapant, on va dire, dans cette mise à jour, c'est qu'en fait c'est une mise à jour, alors je l'ai pas entendu, enfin si, je l'ai entendu sur certains youtubeurs, mais en fait c'est une mise à jour qui avantage énormément les chars lourds. Et à l'inverse, qui désavantage énormément les autres catégories de chars, notamment les chars légers. Pourquoi donc, vous allez me dire? Eh ben, tout simplement parce qu'un char lourd, il se retrouve avec 6 membres d'équipage, ce qui fait que vous avez, enfin 6 membres, on va dire 6, 5 ou 4 membres dans les pires cas. 3 membres, ça peut arriver sur certains chars, mais c'est des exceptions, genre par exemple l'Objet 780 et l'IS-3A. Mais ce qui fait que vous allez vous retrouver du coup avec des chars lourds qui pourront mettre quasiment toutes les compétences sur leurs membres d'équipage, alors que par exemple, si vous prenez la catégorie que je trouve la plus handicapée par cette mise à jour, qui déjà est une catégorie qui est même plus jouée, je parle bien sûr des chars légers. Vous prenez des chars comme les AMX-13, comme le Panzer, le Flibayon, qui a 3 membres d'équipage, l'AMX-13 qui a 3 membres, le Manticore qui en a 2, le LCMX qui en a 2. Bah, comment vous faites en fait? Parce que tout simplement, si vous allez voir dans Personal Files, pour aller voir les compétences à entraîner, regardez-moi tout ce qu'il faut entraîner. C'est strictement impossible en fait. Et le problème qu'il y a, c'est que Wargaming sait pertinemment que c'est strictement impossible sur les chars légers. Ils nous disent comme quoi c'est impossible sur les chars lourds, mais c'est bien plus possible d'avoir un équipage compétent sur les chars lourds, comme les compétences, comme les 33 compétences sont divisées par 6 en fait. Parce que les 33 compétences sont divisées par 6 membres d'équipage, alors que là, bah, elles sont divisées par 2. Donc c'est juste impossible d'avoir un crew, un équipage compétitif sur un char léger, quoi. Donc il faudra prendre vraiment les compétences, on va dire, les plus logiques, mais le char léger est encore dans cette mise à jour, est une nouvelle fois désavantagé, quoi. Et c'est vraiment le souci que j'ai, c'est qu'on se retrouve déjà que la méta lourd, elle est quand même très suffocante, on va dire, et que ça fait un moment que ça a commencé. Bah, cette mise à jour, elle avantage encore plus les chars lourds. Alors je dis ça, moi je suis principalement un joueur de char lourd, donc j'adore jouer char lourd, etc. Mais ça me fait chier quand je joue un char léger de savoir que je suis moins compétitif que quand je suis dans un char lourd. Et compétitif, c'est une façon parlée, hein. Pour le coup, moi je m'en fous vraiment de tout ce qui est aspect. Enfin, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de fan du jeu, quand je lance une partie, vraiment, déjà je joue même plus mes rangs 10, hein, je joue clairement pas ces tiers-là. Mais en ce moment, moi qui rejoue beaucoup mon LCMX ou mon Manticore, bah oui, ça m'embête de me dire que je serais désavantagé par rapport à d'autres catégories du jeu qui auront beaucoup plus de compétences, quoi. Et une nouvelle fois, si vous prenez les chars sur lesquels vous avez le plus ces facteurs combinés, je vais par exemple sur mon équipage de Shiften, enfin sur mon Shiften plutôt, regardez-moi ça. Mon Shiften, j'ai 7 compétences quasiment. Je vais mettre le Shiften et je vais même mettre le D79E parce que c'est encore plus flagrant. Tac. Le D79E qui est mon meilleur équipage du jeu, vous voyez, j'ai cette compétence. Alors, ce qui est étonnant, ah oui, parce que évidemment sur le 279, c'est le chargeur qui prend la radio. Donc, évidemment, vous aurez un membre d'équipage qui aura besoin d'avoir plus de compétences que l'autre. Donc là, vous avez ça, mais si vous regardez dans les autres, hop, voilà, il me reste 2 compétences à mettre. Sachant que si je réinitialise mon équipage, bah forcément, je vais enlever la compétence camouflage qui sert à rien sur le 279 et je vais mettre un de ces trucs-là à la place. Et le truc, c'est que c'est pareil sur tous les autres membres en fait. Donc, vous avez un membre qui est un peu plus déséquilibré parce qu'il doit prendre les compétences des autres. Mais sinon, vous regardez ça, ben j'ai juste. Et là, je crois que je peux même en mettre 2. Voilà, vous voyez, je peux même en mettre 2 parce que ça m'a enlevé le truc.
Ce qui fait qu'en fait vous allez vous retrouver encore une fois avec des chars qui sont déjà très forts de base, qui ont en plus tous les équipements violets, qui seront full gold, qui seront full grand kit, etc. Parce que quand on joue en setup Clan War, on joue comme ça, voilà, pour vous montrer. Ah, ça c'est le setup Clan War, donc en setup Clan War on joue de cette façon-là. Et en plus de ça, vous avez maintenant un équipage qui a 7 compétences, avec des compétences qui sont encore plus fortes que celles d'avant. Donc les chars comme celui-là ben, vont être encore plus avantagés. Regardez, 50 km/h si je mets la compétence du coup sur le pilote. Hop. Voilà, 50, alors 50,5, c'est bizarre ça. Normalement c'était. Bon. Bref, je pensais que c'était 51, mais bref, vous m'avez compris. Mais par contre, la puissance moteur, elle est augmentée encore plus. Regardez, genre, c'est, est-ce qu'on a un pourcentage de poids, voilà, de poids de puissance massique? En fait, c'est encore, c'est le cumulé de tout ça qui augmente absolument tout. Et vous vous retrouvez avec un 279 qui, de base, au lieu d'avoir un moteur à 800, même pas 800, ouais, 800 et quelques chevaux, vous l'avez quasiment à 1000, quoi. Et c'est le point que je veux souligner, c'est qu'encore une fois, les chars qui sont ultra puissants seront bah, encore plus avantagés. Et à l'inverse, les chars qui sont déjà un peu moins forts bah, seront moins bien. Et ça vient à un énorme point de cette mise à jour. Quel est l'intérêt pour un nouveau joueur de se lancer dans le jeu? Si moi, par exemple, évidemment, je joue pas, enfin, je joue quasiment plus en FFA avec ces chars-là, mais si je décide un jour de sortir mon 279 en FFA, que je prends cet équipage-là. Avec ces équipements-là et full gold, etc. Et que je tombe par exemple contre. Si je prends mon exemple à moi, mon premier char rendu, c'était la MX30B. Si je joue contre un MX30B, qui a potentiellement 3 compétences, parce qu'on va dire qu'il a gagné 3 compétences en montant son équipage, qu'est-ce qu'il est censé faire avec son MX30B contre ce truc-là, quoi? Sérieusement. Enfin bon, vous voyez un peu où je veux en venir. Donc voilà, donc vraiment un point. Un autre point, pardon, vraiment important de cette mise à jour, donc la rework d'équipage qui est vraiment en fait à la mort moelle-neuve en fait. Hein. C'est juste Wargaming qui a dépensé de l'argent, on va dire, pour mettre des gens qui travaillent sur ces trucs-là depuis plus de 2 ans et qui veulent le rentabiliser. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ne nous demandent même plus notre avis, ils l'implémentent directement. Et il y a beau avoir un nombre de dramas énorme sur cette mise à jour. Elle sera implémentée comme telle parce que c'est Wargaming qui décide de tout dans World of Tanks. Voilà, c'est Wargaming, c'est pas les joueurs. C'est-à-dire que si Wargaming dit on veut faire ça, mais que 90% des joueurs sont pas d'accord, ils le font quand même parce qu'ils s'en foutent de notre avis. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est un jeu où on se demande si notre avis compte. Et franchement, par rapport à toute la gueulade entre guillemets qu'il y a pu avoir, etc., sur cette mise à jour, le simple fait de juste mettre l'équipage. Disponible en version, enfin qu'on pourra réinitialiser gratuitement pendant seulement 1 mois, mais c'est du foutage de gueule quoi. On a demandé vraiment plein de trucs et on se retrouve juste avec ça. Alors au moins, j'ai envie de dire, ils font un effort dans ce sens-là, c'est qu'on devra le faire, mais ça vous montre qu'à la base, ils n'avaient pas prévu de le faire. À la base, ils voulaient l'implémenter comme tel, et ils voulaient même pas nous demander notre avis, et ça veut dire que si vous aviez voulu réentraîner vos équipages, vous auriez dû payer de la gold. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à sérieusement m'énerver, comme vous l'avez compris. Enfin voilà, donc écoutez, je sais pas si j'ai oublié des choses par rapport aux équipages, mais c'est globalement ce qu'il faut retenir, il y a des compétences trop fortes, un système qui va pas, vous avez encore des classes de chars qui sont avantagées par rapport à d'autres, et c'est vraiment pas étudié en fait. Si en 2 minutes on arrive à démonter 2 ans de travail, bah alors je me demande vraiment qui travaille chez Wargaming, hein, parce que là faut se poser des questions quand même. Pareil, il parlait de l'interface et de l'amélioration qui viendra. Mais je comprends pas pourquoi en fait ils n'ont pas fait d'abord la mise à jour de l'interface des compétences avant de mettre de nouvelles compétences. Parce que le plus logique en fait c'est de. Bah, ça aurait été d'abord de faire le rework du visuel des trucs avant de nous imposer des nouvelles compétences. Parce que le problème de compréhension, c'est parce que d'après Wargaming il y a un problème de compréhension des compétences. Bah, il sera le même après la mise à jour et il sera même pire en fait. Parce qu'après la mise à jour on se retrouve à avoir tellement de compétences. Si vous regardez par exemple, j'ai dans Firepower, regardez-moi ça. Donc ça, c'est les caractéristiques de base, et ça, c'est tous les trucs que vous avez améliorés. Mais c'est pas possible, en fait, on n'y comprend rien. Il y a beaucoup trop de trucs. Et encore, il y a des stats qui sont cachées, c'est-à-dire qu'on n'a même pas toutes les stats du jeu qui sont affichées ici. Et ça n'a pas de sens. Et pareil, je voulais en venir à une autre chose. J'ai voulu aller dans l'arbre de comparaison pour étudier des cas. Hop, et comme vous voyez, les nouvelles compétences ne sont même pas disponibles. Mais comment est-ce qu'on peut. Mais. Enfin, et je l'avais déjà dit ça dans une de leurs dernières mises à jour, qu'ils voulaient implémenter un truc et qu'on pouvait même pas aller voir dans le truc de comparaison
la différence et ils ont refait la même quoi. C'est-à-dire qu'ils nous mettent une mise à jour, mais on peut même pas aller dans l'arbre de comparaison pour voir quelles compétences on peut rajouter et tout, mais ça n'a pas de sens. C'est débile en fait, voilà, c'est juste stupide. Bref, le sel lâché, on va passer maintenant à l'autre point, donc c'est l'implémentation des chasseurs de charges japonais dans le jeu. Pour être franc, je les ai joués vite fait. C'est globalement un JPE 100 mais qui va vite. Ce qui est assez stupide hein, d'ailleurs, parce que ils ont une maniabilité qui est tellement élevée par rapport au gabarit du truc qu'on se demande si c'est vraiment pas. Enfin, ça paraît presque irréel, quoi. On dirait qu'il n'y a pas la même gravité entre un char. En fait, c'est pas des chars d'assaut tout simplement, en fait. Ce truc-là, là, qui est dans mon garage. Où est-ce qu'il est, là? On va aller le chercher. Tac, ce truc-là, là. Hop. 40 degrés seconde. Mais comment ce truc qui est énorme peut tourner à 40 degrés seconde? C'est pas possible en fait. Et genre, ça dépasse la physique en fait. C'est-à-dire que les lois de Newton, les lois de gravité, machin, etc. En fait, Wargaming, pour eux, ça n'existe pas. Genre, pareil, là, j'ai remarqué un truc sur ce véhicule-là. Vous tournez le canon droite à gauche, etc. Il tourne mais tellement vite, mais ça ne paraît pas logique. On se dit, mais ça en devient ridicule en fait. Est-ce qu'on est sur un jeu de char d'assaut en fait? Parce que ça devient. Le concept du char est tellement grotesque. Enfin, de faire un JPE 100, on va comparer en termes de physique. Hop, cet esprit m'arrive, voilà. Alors le JPE est un peu plus gros, c'est vrai. Mais quand même, à quel moment ce truc-là, ça tourne à 40 degrés zoom, quoi? Enfin bref. Ce qui fait que c'est une lignée au final que je trouve pas très intéressante, voilà. Pour être franc, je les joue un peu. Faudra voir en temps réel ce que ça donne, mais. Globalement, c'est encore le même problème. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une casemate qui a 300 mm. Donc, youpi, quand vous serez avec votre gold à 330 de hit, bah, vous pénétrez sans même viser, ça passe. Par contre, le pauvre en 8 qui va arriver avec ses 250 de pénétration, lui, il a aucune chance de vous passer pour peu vous cacher la caisse, quoi. Donc, c'est encore un nouveau point. Voilà. Encore des chars sans weak spot. C'est simple, c'est des chars. En fait, le weak spot s'appelle la hit. C'est-à-dire que soit vous avez la hit et vous passez, soit vous l'avez pas et vous passez pas, quoi. Et ça commence vraiment à me donner des boutons, pour être franc, cette manière qu'a Wargaming de développer son jeu, ça rend fou, honnêtement. Parce qu'on se retrouve encore avec un char qui, s'il cache sa caisse, il est invincible contre les rangs 8. Et à l'inverse, par contre, il se fera complètement soulevé par de la hit et n'importe quel gold de rang 10. Donc, encore une branche qui, a priori, sera inutile. Donc, on verra ce que ça donne en temps réel, mais. Personnellement, pour l'avoir joué, je trouve pas qu'elle apporte grand chose de plus au jeu, et franchement, c'est presque ridicule de voir qu'une branche comme ça peut se déplacer à 40 km/h et tourner aussi vite. Voilà là-dessus. Donc, on va pas aller plus loin sur la composition de la branche parce que je pense que c'est clairement pas le point principal. Et personnellement, je suis un peu déçu de cette branche. Faudra voir en temps réel ce qu'elle donne. Je veux pas être mauvaise langue parce que c'est vrai que je critique un peu sans même voir ce que ça donne, mais. Quand j'ai vu les statistiques du rang 10, je me dis que c'est juste pas possible d'implémenter ça, quoi. Enfin, c'est ridicule. Ensuite, le mode offensif est de retour. Donc, le mode offensif qui était un mode que je trouvais intéressant. Pour le coup, c'est un mode où quand vous jouez avec 7 amis, c'était plutôt sympa. En plus de ça, je crois que maintenant, ils vont diminuer l'écart que vous pouvez avoir. Parce que avant, il y avait un écart, en fait, et vous pouviez pas lancer avec vos amis s'ils étaient. À plus de 300 points de différence de vous, ça va être réglé. Donc normalement, offensive devrait s'améliorer un peu. Et comme c'était un mode que j'appréciais bien, pour le coup, ça c'est un des bons points de la mise à jour. Donc pour l'instant, si on parle des bons points, offensive c'est un bon point et les éléments dynamiques devraient être un bon point. Et pour finir, du coup, on passe à la polémique, la nouvelle polémique, what plus, qu'on peut traduire par what pay to win, hein, clairement. Pourquoi? Parce que c'est un mode. Alors déjà. En gros, pour vous expliquer simplement, c'est un système d'abonnement, c'est-à-dire que vous payez 8 euros par mois, et pour 8 euros, vous avez plusieurs avantages. Donc, vous pourrez avoir 500 gold par semaine, sachant que pour les gagner, vous êtes obligé de jouer. Hein. C'est-à-dire que c'est comme le système de trésorerie avec les crédits, et d'après les calculs, faut faire à peu près 100 games par semaine pour espérer avoir les 500 gold, pour un joueur qui a un niveau à peu près correct. 100 games par semaine, c'est à vous de calculer, mais en gros. En payant cette option, vous êtes un peu esclave du jeu parce que ça veut dire que vous êtes obligé de jouer pour faire vos golds. Ou à l'inverse, si par exemple vous avez 100 games par semaine, bah vous serez certain de les avoir. Ensuite, une carte exclue supplémentaire.
Pourquoi pas? De toute façon, il y a tellement de cartes qui sont nulles à chier dans le jeu que franchement, en rajouter une à ban, ça fait pas. C'est pas forcément. Ça peut se comprendre. Après tout, on paye 8 € donc je trouve pas ça forcément déconnant pour celui qui va prendre cette option-là de d'avoir une carte en moins. Pareil pour les golds, en soi, les golds, c'est pas non plus déconnant. Hein. Moi, je veux que les gens gagnent des golds en jouant. Bah écoutez, c'est. J'ai envie de dire, s'ils jouent pour les mériter, bon, bah pas de souci, hein, honnêtement. Moi, j'ai aucun problème avec ces deux aspects-là, en tout cas de gold et de cartes exclues. Et par contre, là, on a le point où Wargaming, on se demande s'ils n'ont pas marché, s'ils marchent pas un peu sur la tête. Démontage d'équipement gratuit. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, démontage d'équipement gratuit? Et c'est ça qui est très grave. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez démonter un set d'équipements violet. Donc, les équipements que vous payez 5 000 obligations en temps normal, vous pouvez les démonter gratuitement pour les transférer sur n'importe quel char. À part, le seul équipement que vous ne pourrez pas enlever, c'est les équipements expérimentaux. Mais comme c'est pas encore à une échelle très développée dans le jeu, j'ai envie de dire que ça change pas grand-chose. Mais par contre, le fait de pouvoir démonter des équipements violets et même n'importe quel équipement gratuit, ça fait que ben, déjà vous allez vous retrouver. En fait, le joueur qui paiera cette boîte plus-là, ben, il pourra jouer full violet à chaque game. Il a juste besoin d'acheter 2 ou 3 sets d'équipements violets et à les démonter pour les adapter sur chacun de ses chars. Et comme ça, il a même plus besoin d'en acheter des nouveaux. Ce qui fait que indirectement, ça va faire une sorte de enfin les obligations vont tout simplement perdre de leur valeur, ce qui indirectement va augmenter les prix à chaque fois que vous aurez des chars qui seront achetables en obligation. Bah, par exemple, les chars de Clan War que vous pouvez avoir aux enchères, qui seront potentiellement plus chers qu'avant. Donc ça, c'est une chose. Autre chose aussi, c'est que du coup, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont démonter tous leurs équipements qui peuvent vendre 300 000 et ils vont tous les vendre. Ce qui fait qu'au final, si vous démontez un équipement à 300 000, si vous allez par exemple dans mon garage avec 200 chars qui sont quasiment tous équipés, imaginons je veux garder 20, 22 sets d'équipement pour être sûr d'avoir de la réserve, j'en vends 200, 200 fois 300 000, on va faire le calcul. Ça fait 60 millions. Voilà, donc 60 millions, vous imaginez un peu ce que ça veut dire en économie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent des nouveaux événements où il faut payer pour avoir des chars uniques, bah, ça coûtera encore plus cher et les joueurs qui n'auront pas votre plus, bah, soit ils devront jouer premium pour les avoir, soit bah, ne les auront pas tout simplement en fait. Et c'est le souci que j'ai avec ce problème de Watt Plus. Watt Plus, c'est pas déconnant, en soi, s'ils ont envie de mettre un truc payant pour que les gens puissent avoir des bonus comme avoir des golds ou avoir une carte bannie, bah, j'ai envie de dire, bah, au pire, on s'en fout. Enfin, c'est pas non plus un énorme problème. Par contre, le fait de pouvoir démonter des équipements gratuits, ça veut dire que celui qui n'aura pas Watt Plus sera totalement désavantagé. Et encore une fois, bah, ça revient à ce problème des nouveaux et des anciens joueurs. Mais enfin là, c'est même pas un problème de nouveaux et d'anciens joueurs, c'est un problème de nouveaux joueurs et de joueurs qui payent. Mais ça veut dire que le nouveau joueur qui arrive, qui a aucun équipement parce que ça coûte 300 000, comment est-ce qu'il fait pour, bah, comment est-ce qu'il fait pour affronter un mec qui potentiellement sera full équipement violet, quoi. Et en plus, les équipements violets en général étaient limités sur des chars rang 8, 9, 10, on va dire. Mais maintenant, vous pourrez carrément mettre des équipements violets sur des rangs 2, des rangs 3, des rangs 4, des rangs 5 si vous avez envie. Parce qu'avec ce truc-là, ça vous coûtera absolument rien, à part 8 € par mois. Donc bon, ça c'est une connerie. Et la deuxième connerie, selon moi, c'est le régime d'équipage intensif. C'est-à-dire que maintenant, en gros, pour expliquer simplement, donc Wargaming, si vous payez enfin, si vous payez le Watt Plus, Wargaming vous donnera 40 XP d'équipage toutes les 5 minutes sur l'équipage de votre choix. Alors sur un équipage, ça semble pas beaucoup, c'est vrai. C'est pas forcément énorme. Mais en fait, ça peut permettre à quelqu'un qui ne joue pas pendant une année du jeu de revenir et d'avoir un équipage à 4 ou 5 4 compétences, je crois c'était dans les calculs. Ce qui est tout simplement bah, une grosse différence, quoi. Surtout sans jouer, ça veut dire que le joueur qui joue n'aura. Enfin, pour réussir à avoir 4 compétences en jouant, ça demande quand même de jouer pas mal. Ce qui veut dire qu'en fait, juste en payant 8 €, alors bon, si vous arrondissez à l'année, ça fait à peu près 95 €, je crois. Ça fait que le joueur qui paye 95 € par an, bah, il se retrouve avec un équipage qui est déjà à 4 compétences, sans même avoir joué. Alors il y en a certains, je sais que ça les dérange pas parce qu'ils sont en mode, bah, on a payé, machin et tout. Ça, à la rigueur, je dirais que c'est pas le point qui me pose le plus problème parce que j'ai envie de dire, bon, bah, au pire, il manque 3 ou 4 compétences et puis après, ça devient quand même plus difficile et tout. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est encore une fois avec les nouveaux joueurs, parce que un nouveau joueur qui arrive, qui a zéro compétence,
Tomber contre un char qui a juste 3 compétences, ça fait une différence. D'autant plus quand on voit comment les compétences vont être impactantes maintenant. Donc voilà là-dessus, et pour finir, il y a le véhicule de location TS54 qui permet du coup d'entraîner plusieurs coups, enfin plusieurs types de véhicules en même temps. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un équipage d'artillerie sur le TS54, vous pouvez. Après voilà, je considère que c'est pas non plus la révolution. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de. Enfin, genre Skill, etc., Quickie Baby et tout, qui parlent beaucoup de ce truc. Je pense pas que mettre un équipage d'artillerie sur un char lourd, ce sera plaisant à jouer pour la personne qui joue le véhicule. Pareil, mettre un équipage de chasseur de char qui devra monter camouflage, vous n'allez pas le jouer sur TS54, donc je pense pas que ça change drastiquement. À la rigueur, l'équipage de char moyen pourra aller dessus, ce qui peut faire une petite différence, mais pour la plupart des équipages du jeu, en fait, les compétences seront juste pas les mêmes d'un type de char à l'autre, donc. En soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc pour le coup, ça je m'en fous un peu, on va dire, mais c'est vraiment ces deux trucs-là qui me posent problème, quoi. Notamment le démontage d'équipement gratuit, c'est la porte ouverte vers des chars qui seront full violet, full compétence, full truc, etc. Donc là, on a franchi une nouvelle étape du pay to win. World of Tanks est un jeu pay to win, hein, c'est pas nouveau, hein. C'est clair que celui qui paye plus a plus de chances de gagner sa game. Évidemment, il y a encore une part de skill individuel qui, heureusement, est là encore aujourd'hui. Mais là, c'est quand même flagrant que si vous mettez deux joueurs au même niveau, celui qui paye votre plus, ou alors celui qui paye votre plus sera juste plus avantagé par rapport à l'autre. Peu importe que ce soit du même niveau ou pas, c'est ça qui est stupide, je trouve. Voilà, donc 8,10€ par mois. Donc moi, personnellement, si je peux vous donner un avis, le prenez pas. Voilà, moi, je veux pas le prendre non plus. Et franchement, je vais vous dire quelque chose, je suis contributeur, mais j'espère même que World of Tanks ne nous le donnera pas gratuitement. Parce que j'ai pas envie de faire le faux cul, voilà, clairement. C'est-à-dire que moi, si je critique ce truc-là, c'est de la merde. Et si jamais il me le donne, je pense que je m'en servirai même pas. Hein. C'est-à-dire que je garderai mes équipages. Je garderai mes équipements, surtout mes chars, etc. Parce que j'ai juste pas envie de participer à ce truc-là, quoi. Et j'espère que les autres contributeurs font pareil. Alors malheureusement, je pense pas que des mecs comme Skill4LQ ou Quickie Baby, c'est-à-dire que là ils en parlent en mal, mais je sais que évidemment, si ce truc sort, ce sera les premiers à l'utiliser. Moi pour le coup, je reste, on va dire, c'est pas rester droit dans mes bottes parce que je m'en fous. Hein, chacun voit le jeu d'une certaine façon, mais pour ma vision du jeu que j'ai vraiment pas envie de ruiner l'expérience de nouveaux joueurs avec ce truc-là. Donc à part pour la réserve de pièces d'or et à la rigueur les cartes, j'utiliserai même pas ces deux features-là, je pense. Ou alors si j'utilise celle-là, c'est pour mettre sur un équipage comme le Manticore qui a que deux membres et qui du coup a besoin d'accumuler un nombre d'expériences bien supérieur aux autres. Mais ça commence vraiment à me saouler. D'ailleurs, on enchaînera après vite fait avec le deuxième article qu'ils nous ont mis pour résumer un peu cette mise à jour, on va dire. Et pour finir, donc collection de passes de combat, donc ça on s'en fout. Donc voilà. Et un autre point par contre qui est très intéressant, c'est que maintenant les places de garage seront disponibles en crédit. C'est-à-dire que il vous faudra plus 300 gold, mais 250 000 crédits. Ce que je trouve bien pour les joueurs qui sont free to play. Malheureusement, au vu de cette mise à jour, je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de joueurs free to play après ça. C'est quand même un point qui est assez intéressant. Après, ça aurait été bien aussi de permettre de faire les deux, c'est-à-dire pourquoi pas payer 300 gold si on a beaucoup de gold. Là, je crois qu'ils veulent carrément juste. Je vais vérifier, mais. Oups, je crois qu'ils veulent juste rendre ça payant en crédit. Voilà, c'est ça, juste en crédit. Je pense que ça aurait été intéressant de garder la gold quand même pour permettre à ceux qui ont plus de gold de payer directement en gold. Donc voilà, écoutez, on va directement passer sur le nouvel article qui concerne donc un peu tout le tintamarre, on va dire, qui a été émis par la communauté par rapport à cette mise à jour. Et donc Wargaming, le seul point qu'ils ont changé, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir mettre. En fait, globalement, cet article, c'est du foutage de gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils pensent qu'on n'a pas compris leur système et du coup, ils nous le réexpliquent. Comme si on n'était pas assez. Comme si on était con, en fait, tout simplement. Et moi, je leur ai remonté ça hein, dans le canal contributeur. Hein, je leur ai dit, vous nous prenez pour des cons. Vous nous prenez pour des andouilles. Tout simplement parce que ils pensent qu'on n'est pas capable de se rendre compte que ce genre de mise à jour est pas bonne pour le jeu. Et le plus drôle dans tout ça,
c'est cette phrase. Il n'a jamais été question de monétisation dans ce processus. Bien sûr, voilà, bien sûr. Je vais même pas en parler parce que voilà, vous comprenez exactement ce que je là où je veux en venir, mais je trouve ça déplorable que Wargaming privilégie la monétisation dans le jeu à l'expérience de jeu. Alors on est d'accord que le but de l'entreprise c'est de faire de l'argent, mais il y a quand même des limites et je pense que là, cette mise à jour signe comment dire, un pas en avant vers la mort du jeu, voilà, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'avec cette mise à jour-là, déjà qu'il y a de moins en moins de nouveaux joueurs, si en plus de ça vous arrivez plus du tout à en attirer et que les anciens joueurs qui seront saoulés par ce système arrêtent, ça fait que vous aurez de moins en moins de joueurs, potentiellement vous aurez de moins en moins de joueurs qui payent. Et à la fin, le jeu, ce sera juste un gros tas de merde avec juste des gens qui sont les derniers qui seront encore sur le jeu, ce sera ceux qui paieront tous ces avantages et qui en bénéficieront et qui pourront encore y jouer. Mais personnellement, je crains cette mise à jour. Donc on verra ce que ça donne en temps réel. J'espère que Wargaming, si c'est pas bon, s'ils se rendent compte qu'effectivement c'est pas bon du tout, j'espère qu'ils feront un retour en arrière. Ça, malheureusement, j'en ai aucune certitude et je ne pense pas parce qu'en général, une fois que quelque chose est sorti sur le jeu, Wargaming ne revient jamais en arrière. Donc on verra bien. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce sera pas trop long. C'est vrai que c'était une vidéo vraiment causette. Un peu à l'image de celle que j'avais fait la dernière fois. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de cette mise à jour dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des trucs que vous trouvez bien, peut-être que des trucs que vous trouvez moins bien. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a quand même des bons points dans la mise à jour et qu'il ne faut pas les oublier. Mais il y a quand même aussi beaucoup de points négatifs. C'est une continuité de ce que Wargaming entreprend sur le jeu depuis des années. Mais je pense qu'il y a un seuil d'acceptabilité et que là, on est en train de clairement franchir le cap. Parce que déjà que l'expérience de jeu est pas bonne, si en plus de ça il la détériore à chaque mise à jour, au bout d'un moment ce sera problématique. Voilà, écoutez, moi je vous dis à la prochaine du coup pour de nouvelles vidéos. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis salut, allez, à la prochaine.